Ça doit être avec ça qui m'a endormie. Je la cacherai dans ma cellule. Je dois m'allonger. Qu'est-ce qui cache ? Fermé. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon. Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être ? Allô ? Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. Oh putain!
surtout des randonneurs, mais des chasseurs de fantômes en quête de réponses qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett Squarry. Et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Et sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes. Des limiers spectraux ? Si tu veux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'après les infos du journal local, le North Kill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée, y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit bébé. J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. Qu'est-ce que tu caches, Travis ? Tu vas me dire ce qui s'est passé ? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir ? Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement ? Je suis trop crevé pour me battre. Mais...
Moi aussi. Content ? Je vais faire du café. C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil. Je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Pour les animaux, et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois... on pense savoir, sans vraiment savoir. Tu me suis ? Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends ? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille ? Ma famille... est coincée au fond d'un puits. Quoi ? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille... enfin, disons... chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'un puits et que... tout le monde s'accroche à une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter ? Bah non. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui... êtes à l'extérieur du... puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament,
Auxir, la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à voir l'idée ? C'est léger, niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Mais si Max m'a blessé à l'œil, est-ce que ça veut dire que je suis infecté aussi ? Non. Pas par les griffures. Faut être mordu. Est-ce que vous en êtes sûr ? A priori. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études ? Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu ? J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour... Les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave ? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. C'était pas toi.
Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Je te le promets. J'ai dit laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Et merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? C'est quoi le plan? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Les randonneurs et cette fouine de journaliste. Bordel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Max ! Hein ? Max ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler, le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! En même temps... Quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça ! Si c'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Hé, à l'aide ! Laura se sent mal ! Laura ? Laura, tu vas bien ? Nom de Dieu. C'est quoi ce bordel ? Laura ! Vous avez pas choisi le bonsoir pour me faire chier, vous deux. C'est moins marrant maintenant, hein ? Éloignez-vous ! Donnez les clés. C'est pas une bonne idée. Désolée, j'ai pas le choix. On peut discuter. C'est trop tard pour ça. Les clés. Oh. Ok. D'accord. Merde. Oh.
t'en aurais pas cru capable. Bien sûr que si. Viens, allez. Laura, pense à ce que t'es en train de faire. On fait moins le fier. Si vous preniez le temps de réfléchir un peu. Désolée. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Tout est de leur faute. Tue-les tous. Y'a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait, il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Je viens de me rendre compte. On est libre. Putain, enfin. On a perdu 2 mois de nos vies, mais déjà, on est un peu plus près de rentrer chez nous. Et c'est pour quand ? Ce soir. On va à Hackett's Quarry, et on tue Chris Hackett. Et je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob. Il est allé chercher Emma là-bas, mais il n'est pas encore revenu, et elle non plus. Oh merde. Eh ben, s'ils y étaient, ils y sont plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? M'oblige pas à te faire un dessin. J'en viens justement, et il n'y avait personne d'autre qu'un loup-garou. Oh merde. En tout cas, c'est la seule solution. Il faut que je tue Chris Hackett avant demain matin. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Il
Max ? Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors ? J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. Lâchez-moi ! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir ! Laissez-moi partir, ok ? C'est pas de ma faute, c'est parti en couille ! Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Hein ? Parce que mon père, il en a ! T'as un tas de fric ! Enfin, pas vraiment, mais il en trouvera ! Enfin, j'espère ! Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé ! Oh, putain de merde ! Et de deux, Bobby. By myself.
careful what you wish for.